Les chiffres de LinkedIn au Cameroun de 2018 à 2024. C'est parti. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Chedjou Kamdem, éducateur en community management, mais également formateur. Mais avant de commencer ce classement, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te suggère de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos, comme celle-ci. On y va? C'est parti. Alors, en 2018 au Cameroun, on comptait un peu plus de 360 000 utilisateurs sur le réseau social LinkedIn, qui a été créé en 2002-2003 et qui maintenant fait partie des habitudes des Camerounais depuis pas mal d'années déjà. Et il était deuxième du classement en 2018 des réseaux sociaux. En 2019, on va faire une bonne progression et vous allez voir qu'on va atteindre la barre du demi-million d'utilisateurs pour être à 560 000 utilisateurs. C'est un réseau social qui, d'année en année, ne fait que progresser avec les données que nous fournissent chaque année Meltwater et We Are Social. Et ça montre vraiment que le côté professionnel intéresse quand même les Camerounais sur les réseaux sociaux. 2020, l'année de la pandémie, eh ben, pas de recul. On continue sur la pente progressive pour aller vers les 640 000 nouveaux utilisateurs. Beaucoup d'entreprises se demandent toujours pourquoi aller sur LinkedIn. Est-ce que c'est vraiment important d'aller sur LinkedIn? Eh bien oui, c'est important pour votre image de marque, mais surtout pour améliorer votre marque employeur et surtout trouver de nouveaux collaborateurs, de nouveaux employés et de nouveaux partenariats. 2021, eh bien, comme je vous l'explique, la pandémie n'a pas arrêté LinkedIn au Cameroun dans sa progression et on va arriver à un nouveau palier, les 700 000 utilisateurs. Pour être plus précisément à 720 000 utilisateurs. Durant cette année 2021, LinkedIn était le second réseau social le plus connecté avec Facebook. 2022, eh ben, on continue la progression, hein, on ajoute plus de 100 000 quand même utilisateurs en un an. C'est pas mal quand on connaissait les difficultés de connectivité des réseaux sociaux à cette période-là. Eh ben, pour 2022, on a 820 000 utilisateurs. Instagram était derrière avec des réseaux sociaux comme Twitter, maintenant qu'on appelle X. 2023, eh ben, on va encore faire une progression de plus de 100 000 pour atteindre les 960 000 utilisateurs. Très important, cette barre-là, parce qu'on est tout proche du million d'utilisateurs. Et même moi, en 2023, je me demandais, est-ce qu'en 2024, on allait atteindre le million d'utilisateurs sur LinkedIn, ce qui était un vrai palier quand même. Eh ben, la réponse. Et oui, en 2024, plus précisément en janvier 2024, LinkedIn va atteindre ce palier-là pour avoir 1,2 million d'utilisateurs camerounais sur son réseau social. Donc voilà, si tu as aimé ce classement et si tu as aimé ces données, lâche un pouce, abonne-toi et commente. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos, des chiffres autour du community management et des réseaux sociaux au Cameroun et en Afrique. À très bientôt.